c'est une dinguerie, les gars, je vous jure. Hein. Attends, des bruits trop puissants. Je pense qu'on arrive bientôt là. C'est trop dur. Aïe les poulets, comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Canal Plus m'a lancé un défi de fou furieux, les gars. D'accord? Et pas n'importe qui en plus, regarde. Salut les gars, avec Canal Plus, on a décidé de vous lancer un défi. Si vous voulez assister à la demi-finale Stade Toulousain Racing 92 avec nous, vous avez pour mission de parcourir Pau Saint-Sébastien en vélo en moins de 48 heures. Bonne chance et peut-être à vendredi. À bientôt, ciao. Alors, crois-moi, quand c'est un mec qui casse des bouches au All Black, tu fais pas le malin. D'accord, le défi, tu le réalises et tu fermes ta gueule, d'accord? 190 km à vélo pour Saint-Sébastien pour rejoindre la demi-finale de Top 14. Donc nous, on veut vraiment la regarder, cette demi-finale, donc on va tout faire pour réaliser ce défi. Donc, pour le choix des vélos, les gars, on a choisi des gravel. C'est des vélos qui sont un petit peu tout-terrain parce qu'on va aller dans des... On va foutre la queue partout, quoi. D'accord, on va aller vraiment dans des chemins un petit peu rustiques. Donc voilà, on a choisi de vraiment s'équiper au maximum. On a chargé les vélos comme des bourriques, quoi. Là, c'est solide, quoi. Faut savoir que nous, on fait pas du tout de vélo. Donc c'est aussi là la difficulté du concept. Mais vous me connaissez, on va le relever le défi. On a été affronter des joueurs pros de rugby, on a vraiment allé, nous. D'accord? C'est pas tout, les gars. Pour ce défi, il y a une nouvelle difficulté qui s'ajoute, c'est qu'on va devoir dormir dans la nature. Pour ça, j'ai fait appel à mon ami pro, survivaliste. Mon Solal. Voilà, vous avez peut-être déjà vu ses vidéos, il fait des vidéos beaucoup de catch and cook, bon il va se présenter au pire. Donc Solal, alias I'm Solal sur les réseaux, je fais des vidéos de faune, de flore, de nature, de survie et aujourd'hui j'aide Diego pour le défi. On va devoir dormir une soirée dehors, donc on va devoir faire un abri, trouver à manger, j'espère que t'as pas trop faim, pas trop froid parce que ça se peut que le temps se gâte, on va essayer de faire tout ça correctement. J'ai une bonne fringale quand même, après 190 km à vélo tu vas me foutre un petit... On va essayer de trouver des trucs mais c'est pas vraiment sûr. Allez c'est parti, on se retrouve pour le départ. Bon, les poulets, je crois que les copains, ils sont chauds comme la braise quand ils sont dans les starting blocks depuis ce matin. Il n'y a pas eu un sourire, quoi. On se chie pas au beignet, quoi. On y est, quoi. Radalbi, quoi. Il est dans le truc depuis tout à l'heure, quoi. Mais mon poulet, calme, quoi. Ouais, je vais les engloutir, 190 bornes, hein, je te le dis. Calme, calme, quoi. Non, mais là, je suis prêt, moi. Calme, poulet, quoi. Ah, je suis prêt. Ça énerve, ce mec. On vient d'entamer la première piste cyclable, quoi. Ça roule comme dans du beurre. Ça va Solal? Ça va au top pour l'instant. Bon, on a un peu les carambars qui chauffent, mais faut pas le dire aux copains, ça va les démotiver. On canne, hein? Ah. Donc là, on est au Golfe de Pau, les gars. Une des plus belles rivières de France. Bon, je suis un peu marseillais parce que je suis pas loin, mais... D'accord. Bon, les gars, on roule complètement, là. On a un bon rythme, on est entre 20 et 25 km/h. Bon, pour l'instant, après ça a commencé à chauffer. Oh, les mollusques qui chauffent un peu, quoi. Là, les signalements sont très importants parce qu'il y a pas mal de zones avec des crevasses. Ok, là, il y a une crevasse. Très important de coller les copains. Allez, les chevals. Vous savez que j'ai le même orifice que vous. Ah, là, je déconne, les poulets, quoi. Ok, les gars, be careful, broche. Ouais, super cool, James. Ouais. C'est dans ce genre qu'on peut trouver des serpents, là, quand l'eau elle stagne un peu. Ça crée des jolis écosystèmes et il y a tout ce qui est couleuvre et tout. Albi, t'as pas envie de faire un rafting là-dessus, quoi? Oh, franchement, j'ai envie de me plonger dans l'eau là. Donc là, ça, on est à peu près à combien? 12 km? Ouais, 12. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ben, on compte goutte, quoi. Tu sais ce que je te dis? Moi, je sens tout, quoi. D'accord? Bon, là, on a un peu envie de se jeter dans l'eau. Mais c'est une mauvaise idée en vrai, parce qu'on a déjà quand même le cul qui commence à faire mal. Avec l'eau, ça peut frotter. On va aller voir Solal, je crois qu'il est en train de capturer des trucs. On sait que Solal c'est un peu l'expert des serpents, on va aller voir s'il y a pas des petits trucs à capturer là, ce serait drôle. Solal, tu penses à des trucs à capturer là ou pas? Et on est dans une zone sympa, après ici il y a un peu trop de courant, donc c'est dur pour les petits animaux de rester, ça crée pas vraiment d'écosystème. Mais des endroits où où le fleuve devient beaucoup plus calme, on va pouvoir trouver des trucs. Incroyable. Et pas du venimeux s'il te plaît. Hein. Et toi Albi, qu'est-ce que t'en penses là, quoi? Ouais, c'est fantastique, c'est une découverte de la nature profonde, donc j'adore ça. Vas-y, bon, là on va repartir. T'as pas ça à Bordeaux, toi? Parce que ça, c'est magnifique, ça. T'as pas ça à Bordeaux? Arrête d'être chauvin, quoi. Quelle âne, quoi. Magnifique, merde. Il peut pas s'empêcher de chambrer. Ah, tu l'aimes, ta région? Ouais, je l'aime. Le pâté, tu l'aimes aussi, quoi. Ah, oui, ah, regarde. Ah, il est chiant, c'est Albi, quoi. Bon, les poulets, là, on est à 23 km. Franchement, on a des maïs, on a des super. Des super paysages, on arrive bientôt à Bezingrand. Bon, on a plus l'habitude de baiser les petites. Ouais, ouais. Non, je vous déconne. C'est le paradoxe social. On continue à crapahuter, puis voilà. Allez, là, Sophie, allez, avance. Ouais. Pour tout ce qui est reptiles amphibiens, si à un moment, quand vous roulez, vous voyez des tôles, des tuiles, des planches en bois sur le côté, un peu dans la végétation, à pas oublier. On va checker ça, faut bien regarder sur tous les trucs. Et t'as un truc à manger là, dans la nature ou quoi? On peut trouver des fruits, on peut trouver des mûres. Là, c'est vraiment la saison, donc on peut essayer de trouver des potes. C'est magnifique.
même des champignons. Je commence à avoir la fringale, je t'avoue. Des champignons, on peut trouver des champignons. Des bols de girolles, on prend les cèpes, ça on sait faire. Eh, cèpes, tu sais ce que c'est quoi? Ça j'adore, ouais. En tant que bordelais, ça vous en avez pas ici quoi. Ah, t'as quoi, y'a plus de cèpes au Bordeaux, ta gueule, le mec ou quoi? Va dans les bois, parle mieux du Béarn, je te le dis. C'est peu du Médoc. Je me casse. Ouais, les poulets en roule terrible là. C'est carré le S. Je suis dans carré la N. Ça me lance. Sont là en bout de ligne. Romain Bardet qui prend l'avance et qui vient tout doubler. Alors les poulets, 30 km. Ouais, comme sur des roulettes. Allez, on fait des beaux, mais ça va commencer à piquer. On commence à avoir un peu mal au cul quand même. On espère que ça va tenir le rythme. On attend surtout que Solal nous trouve 2-3 murs pour manger parce que là. Bon, certes, maman elle nous a fait le casse-croûte ce matin, mais c'est pas assez. Tiens, je t'ai dit de ne pas me rentrer dedans comme ça là. Oh, garde ta distance. Ta distance de sécurité, merde. Oh. Ouais, super l'ambiance. Il y a pas mal de lacs, les gars. Il y a moyen vraiment d'avoir des poissons. Mais on a que du fil. On va se trouver des petites branches. Comment ça va, qui tire toi quoi? Ah ouais, j'ai mon sac qui s'est ouvert. Mais t'as tout le temps pichou merde quoi. Ah, arrête. Savoir que ce mec il a tout le temps pichou merde, d'accord. Donc on n'est pas au bout de nos surprises, on va voir. Là pour l'instant ça va, la dernière fois qu'on a fait une sortie 30 km, il s'est fait piquer de partout. Quand il y a une merde c'est pour lui quoi. Ah, tu penses que ça va tenir ou quoi? Oh oui, mais j'espère que le sac va tenir, c'est tout pas moi. Hein. Tu penses qu'on va passer une bonne nuit douillette? Ouais, mais on sera nous. Bon bah la première revêche, ça va bien? J'étais toujours clipsé et je suis tombé sur le côté. Savoir que ce mec il a tout un pichou merde, d'accord. Donc on est pas au bout de nos surprises, on va voir. Bon ouais, première revêche chez les poulets, c'est jamais trop agréable. Là on vient de faire 50 bornes. Voilà, l'île d'Orthez, dédicace à tous les orthésiens et rugbyman quoi. Ouh là là. Malheureusement. Bon, tu peux me catcher un coup que ça ou quoi? Ça va être compliqué. Un Big Mac. Chier. Bon, les poulets, on vient de s'arrêter pour pisser un coup quoi. Et à Solal, il commence déjà à ouvrir toutes les barrières. T'as trouvé un truc? Albi, saute-y dessus. Il l'attrape. Non, j'aime pas trop ça moi, je t'avoue. Arrête. Faut que tu le chopes, sinon il va se barrer. Et les poulets, comment ils vont? C'est quelle espèce du coup ça, un lézard? C'est un lézard de muraille. Merde. On voit qu'il a eu la queue coupée là. Et elle repousse à chaque fois? Ça repousse, ouais, il a dû la défaire pour s'échapper d'un prédateur. Et voilà, donc c'est une petite espèce de reptile. C'est une story de quoi ça? C'est une story de petits insectes, regarde. Tu veux qu'il morde? Attends, regarde. Ah! Et ouais, ça bouffe des insectes, c'est insectivore. Ça bouffe tous les petits insectes qu'on a chez nous. Ok. On va laisser partir. On va bon. Ciao lézard! Là du coup on a fait 50 bornes, il nous reste combien je crois Bayonne? Parce qu'il en reste 40-50. Ok, bon ça va le faire. On est à moitié. Bon les gars, on commence à rentrer dans le dur. 80 km de fait, ça commence à tirer un peu sur les gambettes, ça transpire, le dos il en peut plus. En plus on va attaquer une sacrée montée là. On va arriver à Perroa et voilà quoi, tranquille. On continue à avancer et voilà. Ouais, les poulets, bon ben voilà, nous on vient d'arriver vers Asparin. Franchement, on faisait les cakes il y a une demi-heure à dire oh, putain, tranquille ou quoi ça? Les gars, on est mort, je vous jure. T'es affreux, j'ai trop mal au cul là, au dos. Le sac qui est trop lourd. En plus, on a pris que des trucs qui servent à rien, des bâches, des sardines. Mais on va essayer de s'accrocher les poulets. On y a des jambes, Aubin? Moi, je suis ultra bien. Ils sont très très bien. Donc au calme. Super. Mathis? Ça commence à douiller, surtout au niveau du cul en fait. Le reste, ça va. Ouais, c'est un témoignage qui revient souvent, le qui est dur, arrière hein. Qui change. Là, on met un peu on s'y foutre qu'on chaballe, on arrive au con, on chaballe. Bon, on est au 120ème, on vient d'arriver à Bayonne, les troupes sont cuites. Diego il a plus rien dans les chaussettes, il est cuit complet. Bon, les poulets, on vient d'arriver à Bayonne, c'était crise de nerfs, hein, je m'arrêtais, j'en pouvais plus les gars, j'en avais plein le cul. Mais bon, on s'est foutu un bon casse-croûte à la bayonnaise quoi, les chips et tout quoi. Et puis pas mal quoi, on va repartir de plus belle. Ça va et toi? Ouais, bon vous êtes où à Bayonne? Ouais, on a plus un pet de jus là. Ouais t'inquiète, on va essayer d'aller au max et on va. Ok. On démarre dans 2 minutes. Allez bisous quoi.
Ah, je t'en mange, moi. Là, on va faire gagner deux places aux abonnés grâce à Canal+. Et on va mettre une story ici. Ils devront trouver ce genre d'ogis. Le stade de rugby de Bayonne, ils devraient pas s'emmerder. Et vous êtes le rose gagnante. Pas du tout. Elle a pas de force. T'imagines, elle l'aurait fait. Moi, je suis sûr que c'est un mec en service qui va arriver. Qui va prendre. Moi, je fais un mec soit de l'hôpital, soit des tours. Il va arriver en gros camion, un truc comme ça. Il y a un moyen. Un livreur. Livreur Amazon. C'est toi le mec de TikTok là. C'est bon. Vas-y. C'est gagné. Magnifique, mon gars. Bien joué, Royan. Bon, tu te gardes décemment, s'il te plaît. Oui. Merci. Salut, mec. Ça va. Merci beaucoup, mon poulet. Bon, mais mon poulet, j'ai pas un truc à te donner physique, mais ce sera un airdrop. Parfait. Mais voilà, ça te va quand même. Nickel. Il a fait zéro effort, les gars. Il s'est garé vraiment en plein milieu. Mais bon, c'est la victoire qui compte. Et surtout en chaussettes. Rien à foutre, mais c'est gagné. En plus, c'était l'anniversaire à son frère demain, donc voilà, il va pouvoir faire le non cadeau. Bon, on dira au grand frère que ça a été payé. Bon, les poulets, on vient d'arriver juste à Bidart. On commence à être à cran, on n'en peut plus, on a vécu un. Les gars, faut pas faire de bide. Ouais, faut rigoler et puis ça s'arrête. Et ouais, compliqué, mais on a un petit quelque chose qui nous fait du bien quand même. La mer. Franchement, la mer est incroyable. Ouais, franchement c'est dur. On n'a pas de douche. Les gars, l'odeur dans le bivouac, ça va être sympa. Dans 15 minutes on arrive normalement, si on se rige pas la gueule après. Et après on va choisir l'endroit pour construire notre nuit. Enfin, et celui-là va faire tout le campement et nous on va se barrer. On est en train de chercher un petit abri pour ça, pour dormir. On a repéré ces petites ronces là, ça risque de piquer le cul. Non, en vrai c'est galère de trouver, mais il y a trop de faune. Avec Mathis on est allé un peu explorer pour voir où on dormait. Et je trouvais des petites fraises sauvages, donc on va ramener ça aux gars, ça va leur faire plaisir. J'ai premiers aliments directement issus de la nature. Putain, enfin. Des fraises. T'en veux une? Merci beaucoup, on partage. Ils ont du goût, hein. Putain, il le fallait. Il y en a plein, ouais. Et côté abri, bah, c'est pas ouf là. Côté abri, non, c'est trop compliqué d'avancer avec les vélos. Oh, les gars, ça fait une heure qu'on cherche. Il y a que des merdes, quoi. Tout le temps, un truc qui va pas. Soit il y a pas de réseau, soit il y a trop de ronces. Enfin, c'est le bordel. Là, on a trouvé une petite réserve naturelle superbe. En vrai, ça a l'air sympa. Mais va t'y foutre là-dedans, quoi. Bon, après, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je suis un peu la main d'œuvre, mais celui-là, je le laisse un petit peu. Vous voyez pas là, mais je laisse un peu gérer le reste, quoi. C'est son métier, merde, quoi. Ouais, je cherche. Putain, c'est galère parce que ça manque de plat quoi. Mais à gauche là il y a peut-être. Regarde, là il y a des pins. Les pins, quand c'est pas des feuilles, il y a beaucoup moins de végétation sur le bas. Donc on va sûrement devoir trouver un espace. Quasiment fini la première journée là, la phase 2 arrive. Là c'est prévu orage, du coup on a vraiment 45 minutes pour construire un abri. Et dormir. Pour ceux-là, les Mathis c'est hamac. Avec Aubin sur la bâche quoi, tranquille, on a l'habitude de se serrer. Putain, ça peut être pas mal là. Regarde là. Là c'est assez plat. Il y a des arbres pour mettre les hamacs. Ah, ça se gâte les poulets, quoi. Ça fait peur. Nous, avec Mathis, on a opté pour les hamacs cette nuit. Donc il y a pas mal d'arbres. Je pense qu'on va essayer de garder une certaine cohésion et de rester assez proche. Donc on va utiliser les arbres qu'il y aura autour de la tente. Et bon, on va d'abord faire ça. Comme ça, on va pouvoir voir un peu l'espace que ça dégage. Et après, on va s'occuper des hamacs. Putain, un big jaune, fais-moi talonneur quand on va pas y rentrer. Hein. Prendre des bâtons qui sont un peu pointus, on va les casser en twistant pour que ça fasse des pics, on va planter les œillets au sol. Et écoute, là s'il pleut, c'est une connerie, parce que l'eau elle va faire ça, ça. On va servir de ces deux arbres, on va tirer la corde, on va la mettre en haut pareil. Et après on va faire comme une maison, en gros, on va mettre la bâche dessus. Moi je voulais pas au début d'en mettre par terre, mais c'est mort, tu vois ça quoi. Le petit Oura en action. Eh, solide, hein. Oh bon. Non. C'est la chute. Tu te fasses la courte. Ouais, allez. C'est bon. Ouais. Oh. Là. Je t'ai dit, ils étaient pas solides de fou. Ah, quoi que. Oula, oula. Attends. On est bien. Oh, je suis bien. T'es bien là, tu ne dors pas, hein. On a encore besoin de toi. Ah, allez. Ça, je vais t'apprendre l'honneur, regarde. Yes. Vas-y. Bien sûr. Là, la corde, si elle cède, est ripée. Hein. Ça va faire un déboulé, ça.
Bon les gars, ça c'est le tipi. Ils se galèrent comme des ânes quoi sur les arbustes. Il y a une branche qui va péter, ils vont se retrouver les quatre à faire en l'air. Mais nous voilà, le tipi avance. Là on essaie de trouver des petites branches solides. On sait très bien que les petites sont les plus travailleuses. Et on va essayer de les aiguiser. Ça fera guise de sardines. Pas oublié les sardines, on les a pris pour bouffer mais rien. Albi, on se fout quoi sous le cul? On se fout quoi sous le cul? Fougère? La nudité. Du coup les gars, on va s'aiguiser les sardines et on va directement fixer la petite cabane. Nouveau plan, on trouve des tiges de fer. Là j'ai l'impression d'être shooté complet quoi, d'avoir pris des cachetons, je sais pas, je dis n'importe quoi tout à l'heure, je suis allé à tort. Franchement on est vraiment tous morts. Hein. Mathis pareil. Je n'ai pas ton matelas, c'était juste, je voulais te l'annoncer en live, voilà comme ça. Donc je dors sans matelas? C'est ça. Tu vas dormir sur le mien, chef. Super. Ça va être une bonne nuit en perspective. Il y a des limites à tout, hein. on n'a pas de confort, rien, mais bon, c'est autorisé un petit prieur des Augustins. Une des meilleures vins de la région, très oui. Très belle bouteille, le vin landais. Et je vais entendre le pas. Paf! Il n'y a pas eu de son. Putain, il y a l'énergie à 12, quoi. Comme la caméra, elle est à 32%, quoi. Tu vas te gratter aux arbres, toi, ou pas, quoi? Non, après, parce qu'en fait, c'est... Je sais pas pourquoi, mais j'ai une sensation bizarre avec les arbres, parce que j'ai souvent communiqué avec eux et tout. Bon les gars, il n'y avait pas de rivière à proximité, du coup on n'a pas pu aller pêcher, quoi. Mais bon, on s'est trouvé un petit pâté. Albi a dégusté aussi, il était bon, hein. C'est quoi ça? Ça mène les chevreuils. Toi, t'as ton talent? J'en ai deux, je te fais lequel? Ouais, deuxième. Ouais, putain, incroyable. Pour moi, j'ai fait la spéciale, les gars. Sans voler. Décathlon. Oh, mais toi, tu niaises pas sur le pâté, quoi. Oh. La mouche qui est dedans, il l'enferme. Les gars, on sait pas si on va passer une bonne nuit. Vraiment, il y a des mouches de ouf. Comment vous dire qu'on s'est pas douché, on sent la mort. On attire là les mouches. Il y a des bruits chelous. C'est chaud, les gars. Et demain, il nous reste du coup 50 km, les gars. Mais ça va être les plus durs parce que c'est que de la montée. Là, on est en mode posé tranquille. Je pense qu'on va aller mater le coucher de soleil tranquillement. C'est un slip. Qu'est-ce qu'il fout en poil, cet homme? Parce que je me suis trompé. Et là-bas, c'est la mer, les poulets. J'ai pas balle. Attends, mais il va où? Les nuages vont par où, là? Grenade, par là! C'est 4! Les poulets, on est complètement au lit, dans le tipi. Un coup de vent, il finit en Australie, mais on a une ouverture ici, ça veut dire qu'on voit rien là-bas. C'est une dinguerie, les gars, je vous jure, on entend des bruits trop bizarres, des bruits. C'est quoi, c'est. Des clics. Tu as peur, Albi? Oui. Et on va dormir côte à côte, heureusement, dans les sacs de couchage. Quel et là-bas, c'est ouvert aussi. Les gars, ça va, vous êtes bien dans la hamac? Calme. 2/2, ouais. C'est un peu peur. Bah, bonne nuit, les chéris. Bonne nuit. Oh, la bête que t'as. Arrête. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Non. Belle cam. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Bon ben nous on a miraculeusement bien dormi. Bon c'est un grand mot mais... On s'est débrouillé quoi. Ouais, après vu qu'on était en pente, on partait d'en haut et on se retrouvait en bas. Les pieds dans les ronces, mais c'était sympa. L'abri il a tenu. Masterclass la gamme. Côté courbature, les poulets ça va tranquille hein? Bon, on testera après. Et le cul ça va? Parce que ouais, la selle, ça a frôlé. Bon, les poulets, on s'est rendormi un peu. Pas grâce au mat, 9h. Et là, on se lève, on va préparer le campement, tout nettoyer et on se casse à vélo. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va être difficile, mais au mieux. Un peu compliqué de monter sur le vélo. Ah, le cul, C'est dur. C'est impossible. Elle avait raison, mais dans les commentaires. Oui, t'as dit quoi? C'est comme une sauce de mi-sèche. Non, non, d'un pari plein. Mais non. Heureusement, c'est heureusement. Il y a mon tour. Putain, quoi, on n'est pas encore parti qu'il a déjà crevé, quoi. Ouais. Savoir que ce mec, il a tout un pichonnier, d'accord? Donc on n'est pas au bout de surprise, on va voir. Ça, c'est le pâté, ça, lui, quoi. Ouais, il est bien crevé. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? On va changer la chambre, là? Ouais, allez. Mec, ça va, tranquille. Viens, je m'en bats les couilles, moi, j'appelle mes collègues, tu vois ça à quoi?
Pourquoi tu tapes comme ça tranquille dès le matin? Une fois que c'est fini, il se propose à aider. Une fois que c'est fini. En fait, je sais pas pourquoi. C'est un peu facile. Quelqu'un t'a sonné en fait. C'est un peu facile. Quelqu'un t'a sonné. Non, mais c'est un peu facile quoi. T'as rien branlé et à la fin, une fois qu'il a tout pompé, je peux t'aider quoi. Écoute, j'ai appelé mes mécanos privés. Ils sont venus, c'est tout. Moi, je fous rien, c'est tout. Ah ouais, tu m'en fais un beau mécano privé. C'est ça. Non, mais t'es un bon rien. Parle pas comme ça, toi. Viens. Parle pas comme ça. Ah ouais, moi. Parle pas comme ça, je t'ai dit, Bertrand. Arrête. C'est bon, le vélo est réparé, Albi? Ouais, nickel, franchement, merci à vous. Hein. Moi, j'ai absolument rien fait, mais c'est... Ah, mais il y a un super service client, c'est génial. Wouhou! La première bosse. Quand on dit que ça a monté. Les gars, on roule à fond, on est en train d'arriver vers Saint-Jean-de-Luz. Un port qui est magnifique. Hein. Une des plus jolies villes hein, de la région, hein, faut le dire. Surtout les fêtes de Saint-Jean-de-Luz, ils sont très sympas, faut le dire. Bon, après une descente de forain là, à fond les ballons. Mais juste d'arriver en Espagne. Somos en España, tío, venga. El sorriso, venga, tío. On va les acheter les clopes là ou pas? Espera un poquito, tío. No somos aquí para comprar el cigarrillo. No tengo el jambo. Sí, que me he quedado frío. ¿Cuál es tu problema, tío? Venga. No. ¿Cuál es tu problema? Venga, venga, tío. Me voy. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué te parió, tío? Venga. Miguel, qué puta madre. ¡Joder, tonto! ¡Vamos, chavalete! ¡Vamos! ¡Qué tonto eres! On va passer la frontière, les poulets. Et là, on vient de s'arrêter sur une autoroute, c'est trop dur. J'ai beaucoup. Il y a à peu près assez d'eau, j'arrive même plus à avaler ça. 30 sur 30, on est à 14 km. La voiture elle passe à 2 cm. C'est trop dur. Je dis les coureurs quoi, c'est tous des brindis, hein, quoi, ils vont rien tous doper quoi, mais putain, c'est dur. Et le pire c'est le cul qui s'arrache en fait. Hein. Bon, et vas-y, je suis un abruti, j'ai pris un sac à dos, on dirait que je pars faire une mission étrangère. Ah, je suis agent secret. Franchement, il y a des abonnés, des fois ils me doublent, ils font avancer! Je rigole après, je suis oxy. C'est trop dur. Allez, poulet! Ah, c'est dur, hein! Ça monte fort là! Attends! Ah, putain! J'espère qu'on arrive bientôt là, j'en peux plus! Je sais pas. Allez, plus! Là, on triche pas, les gars! Les gars, on est bien arrivé à Saint-Seb. Il reste que 10 minutes. Et après, on se fout des mousses si on y arrive. Je pensais que ça allait être facile aujourd'hui. La bière, c'est plus sec. Ça, c'est le plus dur aujourd'hui. C'est compliqué là. On a plein les pompes là. Ah ouais. C'est la fin. Regardez la baignoire, hein, qu'est-ce qu'il y a de grande. Que des femmes en plus. Les gars, on est juste arrivé à Saint-Seb. Ça tire sur les cannes, c'est affreux. On peut même plus poser le cul sur la selle tellement ça fait mal. Mais on va arriver. On va croiser les joueurs du Stade Toulousain. Sébastien, t'avais dit quoi? On y a le retard! Ouais! Bon, Sébastien, on s'est radé dans les yeux, quoi. On s'était radé plein fer les deux dans l'axe, quoi. Et tu m'avais dit, tu seras pas en Noueta et si tu les veux, t'es plein, ce genre en demi-finale, on est où là? Hein? Où est-ce qu'on est là? On y est, quoi! D'accord? Bon, je fais un peu le beau, mais merci à Canal+ pour ce défi incroyable. On n'y a pas toujours cru. C'est
toute la nuit dehors, les conditions climatiques, les guiboles qui serrent, quoi, tout simplement. C'est le corps humain aussi à un moment qui dit non. Mais voilà, on a quand même réussi. Et voilà, merci beaucoup à Canal+, c'est des opportunités de malade, quoi. Et puis on y a envoyé, quoi, au vélo, quoi. Hein. Place à la mousse, quoi. Hey. Bon, les poulets, on est excédés. Moi, tu me fous une binge, s'il te plaît, sur l'alcool. Ouais, bien. Les gars, les sensations, c'est dur. Là, plus de cuisses, rien. Mais en vrai, ça fait plaisir. C'est plaisir, on a réussi. Hein. Ça a été quoi tes impressions à Aubin pendant ce truc? On l'a fait, quoi. Le principal, c'est d'avoir fait à notre rythme. Et on a tous été solidaires. On s'est filé les barres de chocolat, l'eau, t'as pas de win. Tiens, ouais. Bon, quand on voit ça, franchement, c'est comme une bénédiction du ciel. C'est quelque chose qui donne envie de se boire. Toujours les gars, la gorgée, elle va être folle. Meilleure bière de ma vie. Bon, l'équipe vient d'arriver à Nuoto. Bon, on s'est un peu changé parce qu'on ressemble à rien jusqu'à présent. Même si le change avait pris un peu de dégoulinage dessus. Mais voilà, on va essayer d'avoir des entrées sympas et puis on va vous faire profiter. Bon, le match a été compliqué, quoi. Ça envoyait des marrons de tous les côtés, quoi. Mais on saura se relever quand j'en ai marre, le journaliste. Bon, pour changer, je suis encore remplaçant, quoi. C'est bon, quoi. Les poulets là, le bus vient d'arriver. Il y a les poulets pour la chambrée. Il y a Dupont qui va sortir les gars, le meilleur joueur du monde de tous les temps. Les poulets, Racing 92 qui arrive. Ma première vidéo YouTube, du coup, je l'ai fait avec Nolan qui joue là. On va voir s'il n'est pas assez concentré, peut-être qu'il va. Je pense que ça arrive. Voilà, il était c'est dur. Si, je suis jamais tombé rien. Yes, aïe. Il a fait son petit clin d'œil. On va où là? Là, on va en bord terrain, on va animer un petit live TikTok. Tu veux toucher le bus? Oh. Ouais. Là, c'est on est en direct avec l'échauffement. Ouais. Là, on a été directement appelé à la régie pour régler 2-3 paramètres sur tout ce qui est proxy et sur les micros. Ouais, Steph, tu me décales un petit peu, s'il te plaît, le micro. Ouais, tu l'as pris sur, tu l'as décalé. Tu as les poignons, les gars. Ouais. Bon, les poulets, là, on est directement au match, quoi, et c'est que des caramels. Quoi. C'est de la chocolaterie, des thumes de partout. Le Racing, il défend de très bien, mais c'est très sympa. Les sabreveux aussi, c'était super cool. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Je trouve que c'est une aventure incroyable. On est crevé, complet. C'est mort. Ouais, c'est abusé. Mais au moins, bon, on a réussi. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des petits tips de survie et que vous avez aimé ce périple de malade. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Je vous aime. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire. Je te force pas, poulet, mais je t'adore. Allez, chill, les gars. Et abonnez-vous à Solan. Bisous. Et croyez-moi, la soirée a été bonne. Il nous a traqué pendant tout le trajet. Oh, t'es un stalker, toi. Oui. Attention. Le coq dans mes mains, là. Attention. Allez, va lutter, vieux. Allons chasser. Vas-y. Arrête. Vraiment, je connais plein qu'on est nus. Olé, olé, olé.